Ouais. Y a plus d'œufs. Oh non, t'es sérieux? Je t'avais dit d'en acheter! Ah, je suis désolé. Mais t'inquiète, je vais aller voir les gosses. Ok. Bonjour. Bonjour. Désolé de vous déranger, je suis le voisin d'en bas et on a plus d'œufs et je vous sors si vous en aviez par hasard. Bah ouais, enfin, il vous en faut combien? Je sais pas ce que vous avez. Ok, bah je reviens. Merci. Et voilà! Super, merci. Merci beaucoup. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas été présenté. Non, non, c'est. Bah Lucie, je viens juste d'arriver. Timad. Ok. Bah merci pour les deux, puis bah on se retrouvera bien. Bah j'espère. Au revoir. Salut. Fait, on est nouvelle voisine. Oh non, c'est plus les petits vieux? Non, pas vraiment, non. Comment ça? Bah, c'est radicalement différent. C'est-à-dire? Elle est sympa, quoi. Mais encore? C'est la voisine, quoi, c'est bon. Tu m'auras pas comme ça, hein. Arrête de faire la tête, là. C'est quoi ça encore? C'est la voisine qui me l'a donné tout à l'heure. Non, je rigole. Non, je sais pas, j'ai trouvé ça ce matin, il traînait dans l'appart. Je trouvais rigolo, donc j'ai gardé. Salut. Ça va? Tu faisais quoi? Tu rentrais chez toi là? Ouais, je me baladais. Enfin, là, je rentre du coup. Ok. En fait, je me disais, tu sais, vu que je connais pas trop les gens par ici, ça vous dirait pas de venir à l'appart ce soir? Faire apéro? Qui vous? Bah, t'as Élise et toi. Ah, ouais. Ouais, bah ouais, C'est je lui vrai? en parlerai, ouais, on passera, t'inquiète. Ok, bah super. Ouais, Bah, trop cool. cool. À ce soir alors. Salut. Salut. J'espère rentrer pas trop tard hein, parce que j'ai la flemme. T'as la flemme ou tu l'aimes pas? En plus, elle a pris du vin rouge. Elle est plutôt rosée pourtant. Donc là, c'est vraiment super bon. Bah merci. Bah si tu veux, je te passe la recette en vrai. J'ai rien à cacher du coup. Ok, merci. Juste, elles sont où tes toilettes, s'il te plaît? À l'étage. Bah tu montes et en vrai, tu vas trouver direct. Fais comme chez Ok, toi. ça marche, merci. Et du coup, toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis mécano, je travaille dans un garage. Ok, donc si jamais j'ai un problème avec ma caisse, c'est toi que j'ai à voir, c'est ça? C'est ça. Ok, nice. Oula, ça va? T'as pas l'air bien? Non, ça va pas trop. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, depuis ce matin j'ai des vertiges et je me sens pas trop Bah écoute, en vrai, ça tombe bien parce que je suis otorhino-laryngologiste. bien. Ça veut dire ORL. Ok. Et du coup, bah, je peux te prendre mon cabinet si tu veux. Ah. D'accord. Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est sympa de proposer. Ouais, mais je pense qu'on va rentrer pour ce soir. Si ça se trouve, c'est juste un peu de fatigue. Ok. Ouais. Mais merci beaucoup, c'est Non, vraiment non, gentil. t'inquiète, pas de soucis. Merci pour tout. Je vous raccompagne du coup? Ouais. Allez. Salut. Salut. Salut, j'ai mon problème d'acouphène de lyre qui persiste là et bah, je veux bien te diagnostiquer du coup parce que ça me rend pas. T'es tout seul? Ouais, Elise elle est partie au boulot. Ok, bah vas-y, rentre, je vais m'occuper de toi. Ok, ouais, merci, c'est cool.
que je passe aux toilettes, mais vas-y, installe-toi. Merci. Non, t'inquiète, c'est bon, ça va mieux, vraiment. Mais si, t'as l'air bizarre là, c'est non, bon. Non, t'inquiète, je vais ranger moi, il y a Elise et. Mais arrête de parler d'Elise! Putain, je me casse, tu fais trop flipper. Mais je peux pas te faire flipper! Je peux pas te faire flipper, je t'aime tellement! Mais tu me connais pas, casse-toi! Mais si, je te connais par cœur! Je sais même que t'as une tâche juste là! Lâche-moi! Tu m'as sauté, tu peux pas partir! S'il te plaît, si tu pars, moi je meurs! Mais meurs! Mais toi, meurs! Je me casse. Mais t'as pas compris, hein? T'as pas compris? T'auras beau te débattre, tu t'en sortiras pas!